Babette de Rosière est avec nous. Nous allons parler de cuisine, bien sûr, avec ce livre, tout simplement Babette, manger sans se priver et sans prendre de poids. Exactement. Alors ça m'intéresse. Ah ben oui, parce que vous savez, on peut très bien manger régulièrement le petit déjeuner, le dîner et sans prendre un gramme. Il faut savoir doser son repas, il faut savoir choisir les produits de base. Ne pas manger n'importe quoi, surtout ne pas manger vite, ne pas utiliser trop de beurre, trop de crème, et le tour est joué et on ne prend pas un gramme. Et d'ailleurs, ce livre-là est l'exemple, ça se vend comme des petits pains parce que les gens sont très contents de l'avoir, ça leur permet de se décomplexer et de manger tranquillement tout ce qu'ils veulent. Alors, est-ce que la cuisine des îles est moins riche, entre guillemets, que la cuisine traditionnelle Vous savez, moi je fais toutes les cuisines, je ne suis pas ciblée uniquement cuisine des îles, c'est ma culture, mais la cuisine des îles a une réputation justement de ne pas utiliser ni crème ni beurre. Ça, on n'utilise pas ça du tout chez nous aux Antilles. On cuisine uniquement avec un peu d'huile, c'est tout. Mais tout le reste est naturel. Et c'est pour ça que si vous regardez bien, chez nous, il n'y avait pas d'obèses. Maintenant, depuis que la malbouffe s'est installée, comme les McDonald's et tout ça, les gens commencent à devenir un peu gros. Mais chez nous, les gens passent du tout obèses en mangeant les produits du jardin, en mangeant les bons produits du cru. Alors, les bons produits, on dit, ça coûte plus cher que les produits. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est n'importe quoi. C'est un leurre. Quand vous allez au marché, il suffit de choisir vos produits. Les produits sont bons. Maintenant, on a fini le temps. On faisait n'importe quoi. Là, maintenant, les agriculteurs prennent le soin de faire de bons produits, c'est leur fierté de donner de bons produits. On n'a pas de crainte à avoir au marché. C'est vrai qu'il y a les petits producteurs, et il y a les producteurs locaux, enfin locaux, régionaux, oui, nationaux. Oui, absolument, mais ils sont tout aussi bons. Voilà, et puis il y a aussi ceux qui viennent de Rungis, hein, les plats qui viennent de Rungis. Vous savez, les plats de Rungis sont très... Les produits de Rungis sont très très bons et de bonne qualité. D'ailleurs, M. Layani, qui est le président de la Cimaris, veille à ce que la Rungis garde une belle réputation. Et d'ailleurs, tous les restaurateurs, tous les chefs étoilés vont à Rungis s'approvisionner. Et je vais même vous faire une confidence. Les produits exotiques que nous trouvons à Rungis sont de meilleure qualité que les produits que nous trouvons des fois en Outre-mer. Alors vous voyez, c'est une belle chose de progresser dans ce sens-là. Alors si on veut aller simplement, bien sûr, il y a des recettes dans ce livre. Absolument. Mais si on veut aller simplement, quelle est la base? Donc vous avez dit ne pas manger... La base, c'est les herbes. Chez nous, c'est pas compliqué. Un peu d'huile d'olive et tout est à base d'herbes. On met beaucoup d'herbes, on peut des oignons, de l'ail et tout ça. Et puis on essaye de mettre la viande, on a des graines à roussir, des épices qui permettent d'imprégner la viande ou le poisson et de donner du goût. C'est pas compliqué la cuisine, elle est très simple. Voilà, tout simplement, Babette, voilà, manger voilà. Sans se priver et sans prendre du poids. Voilà, c'est aux éditions Orphi. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Babette. Je vous en prie et bon appétit. Merci. Le dernier.